au gâteau. Ah, j'ai prêt à choisir le décor du mien. Waouh, les verres en marmelade, c'est génial. Regarde combien il y en a. Maintenant, c'est à ton tour de faire tourner la roue. J'ai peur de recevoir quelque chose de moins savoureux. Je le savais, les vrais verres sont dégoûtants. Oh, ils sont si moches. Je ne peux pas mettre ça sur mon gâteau. Tu ne peux rien y faire. Que tu veuilles ou non, tu dois le faire. J'ai fermé les yeux pour ne pas voir. Oh non, elle bouge. C'est tellement affreux. Et pourquoi il y en a si peu? Tu dois tout mettre. Je ne pensais pas que tu étais si cruelle. Je croyais que tu étais mon amie. Oui, ce n'est pas très beau à voir, mais c'est pas ma faute. Ce sont les règles. Je ne veux pas le mettre dans ma bouche. Les verres vont bouger. Non, je ne vais pas supporter ça. C'est dégoûtant. Il faut manger cela avec du gâteau, sans décoration. Oh, c'est encore dégoûtant. Non, ça a goût de verre. Je crois qu'il y a quelque chose qui rentre sur mon visage, non pas ça. Encore des verres. J'en ai tellement marre d'eux. Elles rentrent même dans mes cheveux. Quand est-ce que ça va se terminer? Tu es prête pour plus prudente? Un verre a volé juste sur mon nez. Heureusement qu'il t'a tout mangé, il ne me reste pas des verres en gélatine. Oui, on ne peut pas imaginer une meilleure décoration. Oh, regarde comme c'est beau. Oui, c'est cool ça. Hello. Et comme c'est bon. Je peux manger le gâteau entier. Oui, j'adore ça. Kate, tu peux pas me donner quelque chose? Au moins une tranche? S'il te plaît. Oh non, bien sûr que non. C'est la réponse que j'attendais. Eh bien, je vais te donner une leçon, copine. C'est quoi une attaque? Je peux défendre mon gâteau. Voyons, qui se montre plus fort, défends-toi. Tu te défends, toi. Je sais comment attaquer. Oh, elle s'en crêpe. Pourquoi? Ouais, je suis prête à faire n'importe quoi pour le gâteau. J'ai perdu. Je ne pourrai pas goûter le gâteau. Je te le rappellerai. J'ai un nouveau plan. Eh, qu'est-ce que tu fais, Mila? Et bon, maintenant, tout le gâteau est à moi. T'es toute seule. Je suis prête à faire tourner la roue en première. Oh non! Quel vent fort! C'est impossible. C'est quoi les piments forts? T'as finalement obtenu quelque chose de méchant et pas gentil. Voyons comment tu t'en sors. Je suis sûre que la chance sera de mon côté. T'as finalement eu quelque chose de bon et c'est des yeux de marmelade. Ce n'est pas juste. Ah oui, c'est la décision du destin. Regarde comme les yeux de la marmelade sont beaux sur mon gâteau. Oui, c'est la meilleure combinaison de saveurs. Je me souviendrai toujours de ce gâteau. J'ai envie de l'essayer aussi. Pas du tout. Tu ne l'as pas partagé avec moi? Je ne le ferai pas non plus. Ah oui, non, t'as failli me blesser. Maintenant, tu ne toucheras pas à mon gâteau. Et pourquoi j'ai besoin de cette fourchette? Je le mangeais avec mes mains. Ça a meilleur goût. Et en plus, tu peux en mettre beaucoup plus dans ta bouche en même temps. Je ne peux qu'imaginer à quel point c'est délicieux. C'est un rêve devenu réalité. T'as raison. Mais c'est inconvénient. C'est épuisé trop vite. Il ne restait que l'œil en gelée. Et si tu te lançais, l'attraper avec ta bouche. Oh non, j'ai raté. Je ne sais pas comment c'est sorti. Oui, un vrai cadeau du destin. J'ai réussi à goûter la marmelade après tout. Et maintenant, mange ton gâteau au piment. Merci de me le rappeler. Bon, je vais commencer par les décorations. D'ailleurs, cela se révèle assez bien. Regarde comme ces couleurs vont bien ensemble. Maintenant, découvrons le goût de ton gâteau. T'aurais pu te passer de cela. On dira que je ne vais nulle part, je vais devoir l'essayer. Je peux déjà goûter les épices. Non, 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 j'aime pas ça. Eh, pourquoi si peu? Prends plusieurs morceaux à la fois. Tu verras, rien de bon s'en sortira. C'est même pas de mots dans le thé. Termine tout. C'est ça. J'espère que tu es heureuse maintenant. Oh non, je pense qu'il va y avoir un incendie. Mon Dieu, je suis en feu. On dirait que j'en ai fait trop après tout. Attends, Kate, je vais chercher de l'eau. Oh, c'est si bon.
Merci. C'est à mon tour de faire tourner la roue en première. Cactus. Wow. What? Mais c'est épineux. Comment je suis censée le manger? Attendez une seconde. Je pense qu'il y a eu une erreur. La roue s'est arrêtée sur les frites. Très bien, très bien. Il n'y a pas moyen de tricher. C'est vrai, tu ne peux pas me tromper. Maintenant, je vais faire tourner la roue. Mon instinct me dit que je vais recevoir quelque chose de très délicieux. Chingo, mon instinct avait raison. Waouh, tant de variétés. Tu aurais pu m'en donner un mois en chewing-gum? Et pas du tout. J'ai envie de les essayer tous moi-même. Je pense que si tu combines les couleurs, ce serait très joli et lumineux. Et ça sent délicieux sur le bonbon. Le résultat est vraiment génial. J'adorerais avoir un gâteau comme ça. Tu n'as pas besoin d'utiliser tous les chewing-gums pour la décoration. Tu peux en manger juste comme ça. Oui, t'as raison. Ou garde. J'ai un cœur. Wow, c'est vraiment sympa. Je pense que cela compléterait parfaitement la composition entière. C'est génial. T'es une merveilleuse décoratrice. Merci. Le grand moment est enfin arrivé. Tu peux enfin essayer ce que j'ai. Je n'ai aucun doute que c'est follement délicieux. Ah oui, t'as 100% raison. Je ne m'arrêterai pas avant de voir tout manger. T'es toute sale. Où sont tes bonnes manières? Admets-le, t'es juste jalouse de moi. Oh, j'ai complètement oublié que tu peux faire des bulles avec du chewing-gum. Peut-être il faut s'arrêter. Cette bulle me fait peur. Elle est vraiment grosse. C'est tout. Je dois y mettre un terme, désolée. Qu'est-ce que t'as fait, Mila? Tu m'as mis de moral dans les chaussettes, c'est scandaleux. Oh, c'est ta propre faute, je t'ai dit de t'arrêter. Oh non, quel cactus épineux. Je ne peux pas le manger, moi. Avant quelque chose, c'est ton problème. J'ai une idée, je vais essayer de le faire fonctionner. J'ai peur que ces ciseaux ne fonctionnent pas. Je me vois quelque chose de plus petit. Ça, c'est trop grand. Mais ces ciseaux, oui, c'est parfait, ça. Il est temps de donner une coupe de cheveux à mon cactus. Ah oui, c'est le but de ton plan, génial. Merci. J'espère que je peux maintenant manger mon gâteau et du cactus et pas me blesser. Mais pourquoi tu prends tant de temps? Je m'endors. Hé, hey, réveille-toi. Non, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai été blessée. Dépêche-toi de décorer ton gâteau. Oui, je sais. Je vais frotter mon cactus sur une râpe. Ça sera beaucoup plus pratique à l'utiliser pour la décoration. Oh, bien comme la couche uniforme. J'ai fait du bon travail. C'est bien pour toi. Il est temps de découvrir quel goût ça. Le cactus, c'est un peu amer. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas mauvais. C'est génial. Bienvenue sur le nouveau challenge. Les gars, vous êtes dans le challenge manger des aliments de la même couleur pendant 24 heures. Commençons par menton. Oh, ce sneaker géant en train de voler dans ma bouche. Ouais, mais il est trop énorme. Mesurons-le avec mon mètre ruban. Alors, oui, il est vraiment trop gros. Il faut que je fasse quelque chose. Je sais, il va falloir prouver quelque chose. Ouais, je vais tout couper en petits morceaux et ça soit plus facile à manger. Super! C'était cool! Ouais, maintenant je pourrai bien manger mon Snickers. Oh oui, c'est bon! Ça c'est à moi et ça c'est à moi. Voilà, j'ai terminé. Ok. Maintenant toi. Pas de problème. J'ai des chips de taille kit bleu. Je vais manger, délicieuse. Oh, wow, non, c'est épicé mais très bon. Vas-y, je veux encore. Oh, ça me réveille. C'est tellement épicé. Oups, c'est vraiment trop épicé, un peu trop. Les gars, je peux pas me retenir. Nancy, arrête. Pourquoi ça sent les cheveux brûlés? Oh non, je brûle. Je vais te sauver. Oh, voilà, j'ai éteint tout ça. Oh non, Nancy, un peu. Je sais ce qu'il faut faire. Oui, j'ai un seau d'eau. J'espère que je vais l'aider.
oui, enfin. C'était horrible. Les averlutakis ne sont pas si inoffensifs que ça. Mais maintenant, je suis toute mouillée. Il faut que je me débarrasse de tout ça. Oui, maintenant, c'est toute autre chose. Merci pour votre aide. Jill, maintenant, c'est toi. Oui, bonjour, mon baboba. Oui, quel énorme baboba. C'est la première fois dans ma vie que je vois un si énorme. Oh, c'est parti tellement loin. D'accord, le papouin qu'on le mange bientôt. Oh, oui, c'est tellement bon. Je peux pas m'arrêter. Oh, wow. Comment t'avais pour mettre autant de choses en toi? J'adore les chewing-gums, alors je suis prête à manger une quantité infinie. Mmh. Alors, vous êtes prêts? Vous allez voir la plus grosse bulle de votre vie. Jill, peut-être tu vas t'arrêter. C'est un peu trop... Oups. Je suis désolée. Je ne voulais pas que ça sorte comme ça. Je dois enlever le reste de mon chewing-gum. Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec mon nez? Il est rose? Les gars, et vous, vous avez un noir et bleu. Apparemment, c'est un effet secondaire de manger la même couleur. Ouais, ce n'est pas pour toujours. Et voilà, un nouvel truc. Martha a un burger noir, Nancy a une grande glace bleue et Jill a un gros beignet rose. Tout cela a l'air délicieux. Alors, qui commence? Jill, bon appétit. Maintenant, je vais m'occuper rapidement de ce délice. Couteau et fourchette à portée de main. Comment c'est appétissant? Oh, très bien. Oh, croyez-moi, c'est super bon. Je suis si heureuse que tout cela soit pour moi. Génial. Eh bien, j'ai terminé. Alors, vous pouvez commencer vos repas. Non, si je peux. Ouais. Merci, j'ai tellement faim, je pourrais manger un éléphant. Mais je n'aurais fini en rien de temps. Mais avant cela, je vais mettre des gants. Oh, Jill, je suis désolée. Je ne voulais vraiment pas. Comme ça, je vais en mettre... C'est fait. Par quel côté je vais commencer? Peut-être les trop grands. Il faut que je divise un morceau. Vous pensez que je bois du café? Mais non! Cette tasse m'aidera à couper un petit morceau de cet énorme burger. J'essaye. Oh oui! C'est très bon et très pratique. Maintenant, je vais me faire beaucoup de mini-burgers. Génial! Voilà, c'est tout. Oups, il y en a sur ma tête. Voilà, c'est tout. J'ai terminé. Non, si tu peux finir ce tour avec ta glace. D'accord. Voilà les temps pour ma cuillère. Même si une cuillère est un peu vraiment petite, il faut que je trouve quelque chose. Peut-être ça, c'est parfait. Non, je l'ai sous contrôle, je tombe. Cette couleur. Non, mais toute glace est sur le sol. Oh, c'est bon. Oh, merci, Martin. Thank you. Martin, tes oreilles sont noires. Pour toi, c'est bleu. J'ai tes oreilles sont roses. C'est cool. Les filles, vous roulez en tour. Il y a un doigt. Il n'y a pas de doigt. Ouais, il y en a, il n'y en a pas. Oh, mon doigt, reviens. Oh, je suis de retour. Ils nous ont donné un nouvel aliment de la même couleur. Oh oui, génial. Un cupcake noir. Et moi, j'ai un macaron rose. C'est très lourd, mais je vais le soulever. Oui. Oh non, je tombe. Tiens-toi. Oh, merci. Alors, je vais le manger. Mais je ne sais pas par où commencer. Je sais. Alors... Je me transforme en Jill qui fait du karaté. Maintenant, regardez bien. Kia! C'est fait. Merci, les amis. Et maintenant, tu peux goûter ce macaron rose parfait. Mmh, comment c'est délicieux. Je ne savais pas que tu voulais tellement des sucreries. Je dois garder tout ce pouvoir en moi. D'une manière ou d'une autre. Kia, ce macaron se divise en 4 morceaux. C'est encore plus pratique. Je ne peux pas m'arrêter. Voilà, c'est tout. J'en ai terminé. Et je me retourne en ville. Martin, maintenant toi. Oui, je commence déjà à avoir faim. Commençons par la crème. Alors? C'est cool, c'est vraiment délicieux. Les filles préparent quelque chose.
Et qu'est-ce qui va se passer après 3 heures? Oh, Martin! On dirait que t'as des problèmes. Est-ce que ton visage est déjà coloré en noir? Ou est-ce que c'est de la crème? Ce n'est pas drôle du tout. Je suis tout seul maintenant, le cupcake est vicieux. La crème qu'il contient est tout de même très savoureuse. Je ne la partagerai pas avec vous. Oh, je vais m'occuper des baguettes en attendant. Oh, c'est tellement dur. Peut-être comme ça? Non? Et comme ça? Eh bien bon, je vais commencer avec une manière. Et comme ça? Oh non, on a tombé! Oh, j'en ai pas besoin en fait. C'est plus pratique de manger avec les mains. Oh oui, c'est très bon. Tu vas te lécher les doigts. Martin, t'as la crème ici. Oh, super. Thank you. Mon Dieu! Salut! Vous aimez bien mes nouveaux yeux? Tellement drôle! Il reste le dernier œil et voilà. Maintenant la marmelade. Et puis l'œil. Oh oui! Non mais tout est bleu. Tout est noir. Et tout est rose pour moi. Jill a eu la pizza rose. Martin a eu des pâtes noires ou des nouilles noires. Et Nancy a des crêpes, elles sont mignonnes. Alors on goûte. Moi j'adore. Il y a des myrtilles. J'adore les myrtilles. C'est tellement délicieux. Vous voulez des myrtilles? D'accord. Jill, tu l'as? Miam. Martin, attrape. Tu l'as pas attrapé. Maintenant, c'est moi qui l'attrape. Très bon. J'en prends une autre crêpe. Regardez comment je peux faire. Tout le monde sourit. Hein? Voilà le dernier. Ouais. Non, mais je l'ai attrapé. Maintenant, je vais vous montrer. Non, mais arrêtez. Oh, désolé. Non, mais pourquoi tu rigoles? Je peux vraiment commencer à manger mes nouilles noires. Je vais commencer. C'est bon. J'ai tellement faim que je suis prêt à manger tout d'un coup. Comme ça. C'est encore mieux. Oui, les nouilles les plus délicieuses que j'ai jamais mangées de ma vie. Oh, quelle vitesse! Et comment il fait pour tout faire tenir en lui? C'était la chose la plus facile à faire. Bon, j'ai terminé. Alors, Jill, elle peut commencer. Ah oui. Alors, il faut que j'invente quelque chose d'intéressant. Ah, c'est vrai, j'ai une idée. Je vais couper ma pizza, mais pas comme d'habitude, mais comme ça. Oui, personne n'en a jamais fait. Hein? Oui, ça va être comme ma recette signature. Maintenant, je goûte. Comme elle est bonne et sucrée. Non, les pizzas avec des marshmallows, c'est vraiment génial. Oui, en fait, si je coupais la pizza d'une telle manière, je l'ai finie très rapidement. Oh, regardez, mes mains sont roses. Génial. Non, mais regarde, nos bras sont vraiment colorés. Les gars, il y a de nouveaux aliments délicieux qui vous attendent. J'ai un énorme paquet de poké à la fraise et Martin, goûter de coca. Et Nancy a les bonhommes en guimauve. Tout a l'air super cool. Nancy, tu commences? Oh, je n'ai jamais goûté cela. C'est bon et vraiment acide. Alors, je vais les mettre sur la table. Je vais en manger beaucoup. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et le dernier? Ouais, c'est tellement acide. Jill, tu peux continuer? Super. Ouais, des potiers avec des fraises aussi, mes préférés. Je ne peux pas m'arrêter. Et en fait, ça vaut la peine d'ajouter un petit sirop de fraise. Oui, comme ça. Oh oui, comme c'est délicieux. Je n'en peux plus. Oh, j'ai tout terminé. C'était dimanche. Martin, il ne reste plus que toi. Ouais, je suis sur le point de boire cette énorme bouteille de coca. Wow, c'est donc un bonbon liquide. C'est trop cool. C'est très sucré. Vraiment le goût de coca. Jill, on se fait une farce, Martin? Ouais. Alors? Et les filles, ça suffit. J'en ai assez. Non, mais arrêtez. Ouais, maintenant j'ai compris.
Mais non, t'es tout noir. Et toi, t'es toute rose. Non, si, toi, t'es devenue bleue. Moi, bon, elle est où? Gilles? Oui, tout le monde disparaît. Salut, Nancy. Et voilà, Gilles. Et maintenant, elle est là aussi. Alors, comment vous allez faire? Dans mon petit armoire pharmacie de médicaments, tu colores qu'il faut. Voilà. Wow, qu'est-ce qui se passe? Oh, wow, regarde, on est normand. Cool! Félicitations, on a réussi ce challenge. C'est parti. Je n'ai qu'un seul œil engelé. Ce n'est pas juste. Oh, je crois que j'ai piqué. Comme t'es maladroite. Arrête de te moquer de moi, prince. Bien fait pour toi. Tu crois que je vais te laisser t'en tirer comme ça? Tu parles. Voyons si tu aimes ma farce. Ça a déjà l'air intimidant. Je vais prendre l'œil. Hey, Julia. Qu'est-ce qui ne va pas, Peter? C'est mon œil? Quelle horreur! Oh! Qu'est-ce que c'est? Wow! Quel succès! Je m'étouffe, aidez-moi, je ne peux pas respirer! Nous devons la sauver! Laisse-moi la frapper dans le dos! Oh non! Quel spectacle intéressant, c'est génial! Que va-t-il se passer ensuite? Lui, d'où vient-il? C'est une drôle de chose à dire! Il est temps de se rétrécir un peu. La farce à l'intérieur est délicieuse. Je devrais manger plus d'une dizaine d'iodes supplémentaires. Maintenant, c'est mon tour. Je vais prendre ça, encore plus de ça, encore plus de ça. C'est délicieux. Je veux plus. Désolé, mais c'est à moi. Oh, c'est vraiment bon. La marmelade est si amusante à mâcher. Pourquoi ne pas partager avec nous après tout? Please, s'il te plaît. Trop tard, il ne me reste plus rien. Quoi? Ouais, qu'est-ce que c'est? Oh non, je vais avoir de nouveaux yeux. Comment? Il y a quelque chose de spécial à cela. Du piment? Ce n'est pas une bonne option. T'as encore de la chance, ma portion n'est pas du tout agréable. Oh, Ethan a eu plus que non. Je n'ai pas du tout envie d'essayer ça. Les conséquences pourraient être horribles. Oh, elle a l'air bien, je pense que j'ai eu peur pour rien. Waouh, je pensais pas qu'elle aimerait ça. Je brûle. J'aurais pas dû manger autant. C'est chaud comme une poêle à frire, heureusement que j'ai de l'eau. Ça suffit, Ethan, c'est assez. Maintenant, toi, Emma. Bien que j'adore la couleur rouge, je n'aime pas du tout le piment. J'espère que ce n'est pas très écouté. Mais ce n'est pas grave, on peut s'en occuper. Je vais essayer de faire aussi vite que possible. Je ne pense pas que tu vas réussir. Tout ça, j'ai presque fini. Encore des piments? D'où vient-il? Ita, je pense que t'as fait ça. Comment ça? Oh, ça fait mal. Bien fait pour toi, Ethan. Je crois que ça a commencé, je vais exploser. Je dois m'emboucher les oreilles, le nez et la bouche. Cela n'aidera pas, j'ai un extincteur. Tiens, Vivian. Merci, Tan. Maintenant, c'est ton tour. Pas encore, j'espérais que ce moment n'arriverait jamais. N'essaie pas de t'échapper. Tu vas devoir le faire. D'accord, sinon tu ne pourras pas t'éloigner de moi de toute façon. Je vais prendre une brochette de chaque piment. C'est parti. Oh, ça commence. Utilise. Oh, oh, ça me volait droit dans l'espace. J'essaierai de mieux le voir. Oh, c'est amusant, je veux aller encore plus haut. Heureusement qu'il me reste un piment. Sympa. Pardon, vous avez beaucoup de citrons et je n'ai qu'un seul. Pourquoi j'ai tout ça? Quel est le destin? Laissez-moi commencer. C'est tellement dur que je ne peux pas prendre une bouchée. On dirait que je vais devoir enfoncer le citron qui est dans ma bouche. J'arrive pas. Oh bon sang. Oh bon, je vais le faire.
en plein dans l'œil. Je ne peux rien boire. Attends, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Je dois finir mon citron. Allez, m'emploie-toi. Pourquoi moi? Laissez-moi le faire. Je suis pas prête à me casser les dents. Je préfère avoir un couteau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de couper en tranches pour qu'il soit plus facile à manger. Voilà, c'est fait. Regardez, comme c'est beau. C'est quelque chose que j'aimerais essayer. C'est parti. C'est tellement aigre, mais je dois tenir bon. Mon Dieu, mon visage est tout tordu. J'ai hâte que cela soit terminé. Oui, il faut que j'y aille. Oh, mon mascara. Ça, c'était la dernière pièce. Pour les mouchoirs et moi. Merci, il aurait pu arriver un million, non? Pour les Ethans. En fait, maintenant, toi. Oh, oui, je m'en souviens de tout. Je vais aller chercher les citrons. Prenez ça. Attention, Ethan. Je n'ai plus besoin de l'épée. Je vais utiliser cette machine pour les citrons. J'ai juste besoin du goût. Les croûtes sont évidemment inutiles. Eh, hey, ouais, tout le monde. Oups. Ethan, fais attention, s'il te plaît. Tu nous as fait tomber à la renverse. C'est prêt. Il ne reste plus que le verser dans un verre. Ça a l'air bien. Il est temps d'essayer. Oh mon Dieu, c'est tellement aigre. Je veux dire, délicieux. Wow, c'est inattendu. Tu veux goûter? Ok. Ouais, bien sûr. N'épargne rien pour mes amis. Servez-vous. Je ne pense pas que ce soit savoureux du tout. C'est aigre. Vous ne fiez pas difficile à tromper. Vous êtes tout de suite tombé dans mon piège. C'est ça, Ethan. Prends ça. Oh non. Un seul Kit Kat, triste. J'ai une plus grosse portion et je suis satisfaite. Oh non, ce n'est rien par rapport à ma portion. Regardez ça. Okay. Les gars, laissez-moi commencer. Nous devons nous débarrasser de l'emballage le plus vite possible. Attention, Viviane. Oh, quel parfum divin. Mange. T'inquiète pas, je peux m'en sortir en 2 secondes. Awesome. Maintenant, Emma, je dois me préparer. Je vais mettre un bavoir et je vais ranger tout ça. Oh, waouh, comment elle a réussi à le faire? Il pourrait utiliser une fourchette et un couteau aussi. J'arrive pas à couper. Oh, diable, tout ça, je vais manger avec mes mains. Oui, j'y arrive. C'est plus pratique. Je ne peux pas m'empêcher quand je le goûte. J'ai besoin de plus de barres de chocolat. Vous voulez voler mes barres? Non, plus jamais. Entre moi et le chocolat. C'est enfin mon tour. J'ai une idée géniale. Je vais construire une tour avec mes barres chocolatées. Waouh, ce n'est pas mal. Oh, c'est si grand. J'ai essayé. Il ne reste plus grand-chose. Nous n'avons pas pu en empêcher. Vas-y, tire, tire. Oh non, je vais tomber. La tour aussi. Bienvenue à nouveau. Alors, ça va? Je vais bien. La casse m'a sauvée. Je pense que ça va être amusant. Dépêchons-nous et ouvrons les couvercles. Vita, tu commences. Okay. Oh non, quel terrible départ. Je dirais que c'est vraiment épineux. Est-ce que je dois vraiment manger ce cactus? C'est tellement effrayant. Je vais me piquer à coup sûr. Eh bien, ne pouvons pas qu'espérer le meilleur. Oh non, ça fait mal. Vous voulez pas arrêter? Ouais, bien sûr, Yuno, mange plus vite. Je crois que j'ai une idée. Pourquoi je me ferais mal alors que je pourrais simplement couper toutes les aiguilles? J'ai aussi de les bonbons. Tada! Maintenant, je n'aurai pas à sourire de chaque bouchée. J'espère que le cactus est au moins savoureux. Alors, t'as mangé si vite? On dirait que c'est sucré. Non, pas du tout. Il est dégoûtant. Oui.
Ça se sent. C'est à mon tour. Stop! Elle est mademoiselle d'abord. Surtout qu'on m'a remis des glaces si délicieuses. Et je dois manger tout ça très vite. Vita, où est-ce que ta main a pris leur glace? Regarde-moi. Non, c'est faux. Tu vois, elle a des boules rondes, ce qui signifie que c'est à moi. Je sais comment tout réparer. Après un entêtement chaud, les boules se transformeront en une boule et grâce à la forme triangulaire du cône, cette boule sera la mienne. C'est fait. Comme c'est bon. Awesome. Je le regretterais vraiment si je donnais la glace à Vita. C'est trop bon. Alex, maintenant, tu peux aussi ouvrir le couvercle. Okay. Waouh, c'est magnifique. C'est un sandwich tellement délicieux. Oui. J'ai hâte de le manger. Oui, comme c'est agréable de savoir que je n'ai pas à le partager avec qui que ce soit. Toutes ces délices sont à moi. À toi, tu dis. Et moi, j'ai prévu de prendre un sandwich aussi. Alex, Vita t'appelle. Quand t'es un couteau, va m'aider à transformer un sandwich carré en deux sandwichs. Wow. Je suis désolée, Alex, mais je devrais le faire. Comprends, je aussi se défend. Ah ouais? Alors voyons comment t'aimes ton sandwich avec le même piment triangulaire. Je pense que ça sera moins très amusant. Come on! Miam. Ah, dommage, Alex, que ce ne soit pas toi qui mange le sandwich. Oh non, c'est pas du tout dommage. Awesome! Oh, oh! Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi y a du piment dans ce sandwich? Aidez-moi! J'ai quelque chose qui va t'aider à éteindre ton feu interne. Vas-y, prends le verre. Donnez-moi vite le liquide. Oh non! Qu'est-ce que je viens de boire? Wow! Quel spectacle! Voyons ce que se tourne au hasard. Vita, les chips, c'est moi. Wow! J'espère que j'aurai de la chance. Oh non! Non mais je suis pas le chien pour manger la nourriture pour les chiens. Hein. J'ai pas vraiment envie de faire ça. Et tu vas pas le faire parce que c'est moi qui mange d'abord. Je mange la pastèque dès que possible. C'est tellement juteux. Tout ce qu'il faut pour une journée très chaude. Je sais comment tu peux te procurer de la pastèque aussi. Avec une cuillère spéciale. Okay. Ici, tiens. Ça rendra les repas plus pratiques. Merci beaucoup. C'est vraiment très très pratique. Awesome! Sauf que maintenant, la pastèque est à moi. Parce que tu l'as coupée à morceaux ronds. Hey. La prochaine fois, tu regarderas plus attentivement. Je pense que cette histoire de pastèque t'apprendra beaucoup de choses. Je vais te... Non mais tiens! Ah, de travers, tu peux lancer tout ce que tu veux. En attendant, je vais finir ma pastèque. À cause de toi, il me reste un peu de pastèque. Mais je mangerai le restant d'aide de personne. C'est bon. C'est fait. Vita, c'est ton tour. Je pense que les chips seront délicieux. Surtout les Pringles. Je les adore. Moi aussi. Je ne peux pas me débarrasser de la joie. Je dois priver Vita de ses chips. Comme c'est bien qu'il suffit de secouer un paquet pour ça. What? Bizarre, pourquoi c'est vide? Où sont toutes les chips? Oh non, horrible! J'ai osé les maltraiter comme ça! Les chips, qu'ils soient leur forme, sont délicieux. Moi, pourquoi je dois manger de la nourriture pour chien? C'est vraiment horrible, même son odeur est horrible. Je pense que cela me rend malade. Peut-être que je ne mangerai pas. Tu as la faim. Regardez comme c'est horrible. Gross. Il faut au moins en goûter tout ça. Ouais. Hey, horrible, quelle horreur. Horrible. Les aliments pour chien doivent être consommés dans les plats spéciaux. Ça reconnaissant que j'en ai pour toi. Oui, merci. La nourriture a l'air encore pire dans ce pot. Je ne peux pas tout simplement le manger avec vous pire. Hey. Je vais t'aider. Ne bouge pas. Je vais quand même le faire. Tiens, t'aimes bien? Ouais. C'est la pire chose que j'ai jamais goûtée de toute ma vie. Pensez que c'est drôle? Je vais vous montrer ce qui est vraiment drôle. Oh, oh mon Dieu! J'ai entendu au compte des chiens. Ah, c'est drôle. Les filles, à votre avis, qui aura de la chance cette fois-ci? Nous sommes sur le point de le pourrir. Pas moi.
Et moi, par contre, j'ai de la chance. J'adore les Rolls. Moi aussi, j'ai du chocolat. De plus, c'est très savoureux. C'est très difficile à trouver dans les magasins, donc ça le rend encore plus délicieux. Je sais que tout le monde aime ça. Mais je ne vais pas partager. C'est vraiment bon. Awesome. Je vais manger tout ça. Comme c'est cool que je peux le faire. Mais avant cela, je dois montrer au chocolat quelques moments de karaté. C'est ça. Awesome. Maintenant, tout le monde sait que Casey peut aussi se défendre. Et maintenant, je vais montrer une astuce. Attraper une barre de chocolat avec la bouche, mais ce n'est pas tout. Tout le monde peut attraper une branche. Mais attraper tout un tas, c'est vraiment difficile. Et je n'ai pas pu attraper rien du tout. Quelle honte. Bon, allez. L'important, c'est que j'ai le droit de commencer les Rolls. Prends d'abord des baguettes. Oh non, je n'ai jamais réussi à manger avec ça. Et si j'apprends maintenant, je ne mangerai certainement pas une seule chose. Mais qui empêche d'utiliser les baguettes d'une autre façon? Comme mettre des petits Rolls dessus et manger directement. C'est cool, pratique, et les mains sont propres. Et si tu partageais avec un ami? Pas du tout, raison de plus pour que t'aies des Rolls. T'as des citrons très juteux qui t'attendent. Je peux imaginer à quel point ils sont acides. Oh non, va-t'en! Je savais que les citrons revenaient. Non, mais vas-y! Il semble être ta destinée, haha. Arrête, stupide, de cours. Ok. C'est vrai. J'ai de penser à un moyen de rendre les citrons moins dégoûtants. Il faut enlever la croûte. Awesome! Wow! Uh-oh. Oups! Alex, désolé. Ta nouvelle coiffure va vraiment bien avec ton t-shirt, John. Bon, ça suffit de se faire dorloter. Oh! Je pense que le citron m'a fait un peu rétrécir. J'ai besoin d'une douche rafraîchissante. C'est beaucoup mieux maintenant. Waouh! T'as vu ta tête? Pas les oignons! Je veux pas te puer! Waouh, quelle énorme part de pizza! Génial! J'ai plus délicieux des pizzas! J'adore! J'espère que cela ne me dérange pas si je m'occupe d'abord de ce méchant oignon. Je ne veux pas vraiment le laisser pour plus tard. Alors, quel goût a ça? Arrêtez de vous moquer de moi, j'ai vraiment beaucoup de mal. Vous devriez savoir à quel point ces oignons sont dégoûtants. Non, mais si vous preniez une bouchée, vous allez tout comprendre. Je pense que j'ai quelque chose qui va sortir. Quelle puanteur. Oh, désolée. Bon? J'ai vu les saucissons sur la pizza de Casey. Ça signifie qu'ils sont sans moi. Quand c'est agréable de savoir, ça donc que de telles friandises t'attendent. Et si tu découpes un petit morceau, tu peux le rendre carré. Awesome. Ce qui signifie que je peux aussi prendre un goûter. L'essentiel de ne pas salir les mains, sinon je devrais manger les fils plus tard. Non mais comment osez-vous? Vous n'avez pas honte de vous, c'est ma pizza. Le tranche est carré, ce qui signifie que c'est à moi. Oh non, il ne me reste presque plus rien. Bon, c'est une bonne chose que je n'ai pas été complètement malmenée. Au moins, j'aurai quelque chose à manger. Et j'ai un paquet entier de fils qui m'attend. J'ai très envie de le manger. Cela semble très prometteur. Wow, c'est vraiment cool. Mais vous n'avez pas besoin de compter sur ça. Je vais les manger moi-même. Ouais, génial. Comme c'est bon. Je veux encore et encore. Le gourmand Alex ne peut pas recevoir que le fils sur sa tête. Ah ah, c'est mieux. Tu sauras comment te comporter avec les... Oh, comment ça m'a réveillé? C'est quoi? J'espère que c'est quelque chose de délicieux. Ah oui, c'est une bombe. Descends, ça va exploser. Ça a l'air cassé. Quelque chose de pas. Oui, j'ai compris. C'est une bombe sucrée. Oui, c'est tellement bon. Une saveur vraiment explosive. Wow. Tu ne peux pas t'arrêter. Je vais encore et encore. Tu devrais pouvoir l'essayer aussi. Pas question, c'est tout à moi. Oh wow, t'as tout mangé si vite.
Il reste une dernière pièce. C'est la première fois que je mange un chronomètre. C'est vraiment bon. Tout le monde devrait l'essayer. Attends, c'est quoi ce bruit? T'entends? Oh non, ça vient de là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est une vraie bombe. Une vraie. Oh, à l'aide! Qu'est-ce qui se passe? Salut tout le monde, j'ai entendu quelqu'un ici demander de l'aide. T'inquiète pas, je vais te sauver. J'ai un ruban spécial. Voilà, vous êtes en sécurité. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande combien de temps avant qu'il n'explose. Ce n'est pas clair, mais nous devons nous dépêcher. Oh, allez. Quelqu'un sait comment utiliser ces boutons? Oh, je crois que j'ai tout gâché. Mon travail est terminé. Oh, wow, c'est tellement haut. Marie, que faisons-nous avec la bombe? Ne panique pas, j'ai un plan. Juste ce dont nous avons besoin. Marie, cela ne va pas t'aider. D'accord, et ce poulet? Non, bien sûr que non. Tu n'es pas du genre à te faire plaisir. Mais t'en penses quoi de ça? Non, ça vite. Bon, c'est annulé avec toi. Oh, j'ai trouvé. Ça devrait le faire pour toi. Oh, je vais juste prendre le fil. C'est une excellente idée. Tu as tellement de fil. Qu'est-ce que tu veux couper? Je pense que le bleu. Marie, s'il te plaît, devine. Oui. C'est fait? Nous sommes sauvés? Oh non, le temps est passé encore plus vite. Oh, ah! Ouch! Oh non, j'ai couvert de chocolat. Oh, c'est cool! Et quel d'entre nous mange le plus de chocolat? Je vais gagner. Ah, un de plus? Je ne vais pas m'éloigner de toi. Ah ah, l'égalité, c'était génial. Bon ouvre. Waouh, je suis si heureuse. C'est le nouvel iPhone. Moi aussi, c'est le meilleur cadeau qui soit. Nous avons deux iPhones identiques. Je sais pas. Allez, je vais aller voir. Waouh, c'est si confortable dans la main. Il y a aussi beaucoup d'applications. Demain, pourquoi ne fonctionne-t-il pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Waouh, c'est un iPhone en chocolat. Je n'ai jamais goûté quelque chose comme ça. Oh, c'était délicieux. Waouh, si t'as un chocolat, alors j'en ai un vrai. Génial, il est temps de prendre des selfies. Oui, bonne idée. Souris? Bah attends, tu gâches la photo. C'est beaucoup mieux. Eh bien, tiens bon, ma vengeance sera brutale. Oula, j'ai si mignon. Arrête! Oh non, mon iPhone! Bien fait pour toi. C'est donc toi qui m'as fait peur. Oups, c'est moi ou mon iPhone en chocolat? J'aimerais qu'il aille bien. Oh non, mon ton nouveau téléphone. Pourquoi je ne pourrais pas prendre de superbes selfies? Oh, j'ai une idée. Oh, qu'est-ce que tu veux? Changeons nos téléphones. Oh, vas-y, allez. Donne-moi le tien, tu prends le mien. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est cassé. Chelsea, tu m'as trompé. Quoi? Elle mange aussi mon iPhone en chocolat. Non, mais moi, ce n'est pas l'échange pour lequel j'ai signé. Il me reste qu'un petit morceau. Wow, un chargeur de chocolat? Je dis que cela t'aide, mais ça vaut le coup d'essayer. Wow, je peux manger cet iPhone maintenant, tout de suite, n'est-ce pas? Wow, quelle chance pour Marie. La jalousie en silence. Peut-être que je peux réparer mon iPhone. Ça vaut le coup d'essayer. Alors, commençons. Oh, allez, aidez-moi. C'était une très mauvaise idée. Oh, c'est une sacrée coiffure que t'as. C'est drôle. Moi d'abord. Ma surprise préférée de la mort dernière, mais il y en a aussi tellement. Génial, j'en ai aussi. Six d'entre eux. Quoi? Quoi? T'en as aussi? Qui a les chocolats et qui a les vrais? Je sais pas. J'ai commencé alors. Je crois que je nettoie ça rapidement parce que j'ai hâte de les essayer. Du chocolat au lait, j'adore. Il y a aussi des M&M sans bonbons à l'intérieur. C'est deux fois plus bon. Wow, oh, j'en veux aussi. C'est vrai. J'ai ma propre surprise Kinder. L'odeur est si douce. Oh, c'est un vrai œuf. C'est dégoûtant. Bien fait,
pour toi. Ce n'est pas juste. J'espère que le prochain œuf ne sera pas comme ça. C'est tellement effrayant d'essayer. Oh non, il y a un œuf ici aussi. Ça a l'air horrible. C'est le pire tour de tous les temps. Mais j'aime bien, parce qu'un Kinder Surprise est la meilleure chose délicieuse du monde. C'est du chocolat sucré et il y a toujours une surprise qui attend l'intérieur. Wow, des boules de chocolat. J'adore. Mais j'ai aussi envie de manger un vrai Kinder Surprise. Chelsea, laisse-moi en essayer, s'il te plaît. Non, comment tu peux donner une Kinder Surprise à quelqu'un? C'est juste à moi. Chelsea, t'es si gourmande que je ne sais pas quoi faire. Ah, je sais. Je vais jouer un tour à Chelsea. Peut-être qu'elle réalisera que tu dois manger avec tes amis. Prépare-toi. Quoi manger? Vas-y. C'est ce qu'il faut. Arrête, c'est quoi ce goût désagréable? Ça ne t'a pas plu? Ah, tu l'as mis en place. Tiens, bon, prends ça. Oh non! Mon visage, c'est sale. Ta farce a été un échec. Oh, c'est dégoûtant. Tu dois manger toutes les surprises de Kinder. Non, pas ça. Je suppose que je dois le faire. En fait, j'ai une meilleure idée. Ou bien, ils ont un barbecue. Qu'est-ce que tu fais de nouveau? Nous prenons un œuf. Un œuf et on cassons la poêle. Et ça fait avec tous les œufs. Et tu tiens un œuf brouillé savoureux. Ça a l'air délicieux. Marie, je peux en essayer? Non, ces œufs sont juste pour moi. Eh bien, une astuce de cuisine dangereuse. Wow. Oh, c'est tellement beau. Une idée. Oui, prends ça. Non. C'est mieux sur toi. Mes œufs sont fichus. Je ne cuisinerai plus. J'ai mimé. Wow. Oh, c'est de ma gueule super. Maintenant, moi. Oh, moi aussi. Je l'essaie d'abord. Le coca est un excellent désaltérant. Quoi? Comment cela est-il arrivé? Ah, oh, je l'ai eu. J'ai du coca au chocolat. C'est vrai. J'adore le chocolat. Awesome. Waouh, génial. Waouh, c'est machine à fabriquer des bonbons. Waouh, le coca au chocolat et les M&M's aux bonbons sont la combinaison parfaite. Moi, je veux aussi. Yeah. Essayons. Ah. Aidez-moi, je suis toute mouillée. Non. Alors, comment se passe cette douche à la coca? Il n'y a rien de drôle là-dedans. Oups, dommage que tu n'aies plus le coca. Je me demande si les frites sont aussi des frites au chocolat. Oui, un vrai délice. Des frites aux pépites au chocolat. Personne d'autre n'a jamais goûté ça. Je vais manger tout en même temps. C'est délicieux. Tu pourrais les manger pour toujours. Waouh, même la boîte est comestible. Tu ne plaisantes pas? Tu te moques de moi? Oh, ce n'est pas comestible. Oh, je n'ai plus de frites et plus de coca. Ça te sent pas mal, c'est parti. Waouh, merci beaucoup. C'est vraiment délicieux. Waouh, j'adore cet endroit. Oh, je vais être la première. Oh, waouh, des Kinder. Et qu'est-ce que t'as, toi? Voyons. Oh, j'ai la même chose. C'est bizarre, ça. Oui, c'est bizarre, ça. Bon, on a de la chance, toutes les deux. J'adore les œufs en chocolat. Oui, je pense que c'est le meilleur dessert. Non, mais n'importe quoi, arrête de faire ça. Tous les emballages volent vers moi. Désolée, je me suis trop emportée avec ma nourriture. J'ai hâte de l'essayer. Waouh, il y a des bonbons à l'intérieur. Il faut que je les mette dans ma bouche tout de suite. Mon Dieu, c'est délicieux, ça. La combinaison parfaite entre le chocolat et le chocolat. Je veux plus. Waouh, il y a de la marmelade dans ces œufs. J'adore. Une nouvelle
surprise est agréable à chaque fois. C'est génial, dommage que tu ne saches pas de quoi je parle. Et maintenant, je vais en profiter. Oh oui, les bonbons au chocolat. Oh génial, les cerises sont de plus en plus jolies à chaque fois. Qu'est-ce que tu regardes? Occupe-toi de tes propres œufs. Oui, t'as raison, il est grand temps que je le fasse. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça, un œuf cru? Je m'attendais pas à ça. Tu penses que c'est tout? Eh non, vas-y, mange. J'espère qu'il y a quelque chose de différent. Je ne veux pas revivre cette expérience. Oh non, encore une fois, c'est dégoûtant. Je déteste les œufs. C'est clair, quelqu'un n'a pas eu de chance. Regarde, j'ai un nouveau lot de bonbons. C'est cool, hein? En fait, j'ai une idée. Tu peux le lancer, les attraper à la volée avec la bouche. Oh, c'est moi. Oh, ça fait mal. Tu aurais pu simplement dire non. Arrête de me taquiner, ce n'est pas drôle. Je crois que je sais comment me venger de Suzy. Je dois lui donner un vrai œuf. Je peux voir l'envie dans tes yeux. C'est le grand temps que tu t'en remettes. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne ressemble pas du tout à du chocolat. Oh, c'est dégoûtant. Je sais que t'as mis ça en place. Pourquoi t'as craché sur moi? Ce n'est pas tout, c'est à toi. Et tu sais quoi, ça ne me dérange pas. J'ai un plan génial. Je pense que cette tenue me va très bien. Je ne sais pas ce que tu prépares. Je vais préparer de délicieux œufs. Tu vas être vraiment jalouse. Oh oui, quelle saveur! C'est pas génial ça! Va-t'en, Suzy! Je savais pas que tu peux cuisiner aussi bien. Mais j'ai peur que tu ne puisses jamais goûter au tien! Haha, je vais m'y opposer! Qu'est-ce que tu fais, Suzy? Oh non, les œufs sont tombés en plein sur mon visage! Voici les nouvelles portions de commande qui commencent. Oui, ça sera moi! Wow, une bouteille de coca! T'as de la chance, voyons ce que j'ai moi. Du coca aussi? Génial! Je pense qu'une de ces bouteilles est en chocolat. Comme c'est bizarre, je ne peux pas l'ouvrir. Peut-être que tu peux essayer avec tes dents. Oh wow! Oh, c'est du chocolat! J'ai de la chance! C'est génial! Peut-être que j'ai aussi une bouteille de chocolat. Non, c'est du coca ordinaire. Ça ne l'air pas moins délicieuse. Je me demande s'il y a quelque chose dans ma bouteille. C'est vraiment vide. Et oui, c'est du chocolat qui coule. C'est exactement ce dont je rêvais. C'est un goût incroyable, je ne peux pas m'arrêter. Dommage que toutes les bonnes choses et enfin si rapide. Tu devrais te voir, Suzy. Il est temps pour toi de te laver le visage. Oh wow, je porte encore beaucoup de chocolat. Et je pourrais tout manger. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas joli. Je m'en fiche du moment que ça a bon goût. Oh bon, il y en a encore moyen d'attendre mon nez. C'est mieux, bravo Suzy. J'ai complètement oublié la bouteille. Et je peux aussi la manger car elle s'est faite de chocolat. Oh oui, comme c'est bon. Il n'y a aucune chance que je m'arrête avant de voir terminer. Garde-moi au moins une bouchée, je veux l'essayer. Je suis déjà en train de baver. Qu'est-ce que tu veux? Ne demande même pas une friandise. Ça ne va pas marcher sur moi. Mais nous sommes des amis. Heureusement, j'ai du coca. Je pense que tu peux partager avec moi. T'as raison, pourquoi pas. Regarde, il y a quelque chose là-dedans. Oh. Juste là. Je t'ai trompé, Suzy. Et tu m'as cru. Ce n'est pas juste. Tu ne peux pas faire comme ça. Tu crois que je vais te laisser t'en tirer comme ça? Et non. J'ai des mentos, moi. Je pense que ce sera très utile. Nous savons tous ce qui se passe quand tu les mets dans du coca. Oh, regarde, qu'est-ce qu'il y a là? Reste concentré, j'ai quelque chose d'important. C'est tout, c'est fait. Je ne vois rien, Suzy. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le coca arrive-t-il en plein de mon visage? Oh non, la situation est hors de contrôle. Continuons. Oui! Je n'en crois pas mes yeux. C'est du piment. Je m'étendais pas non plus. Tu commences. Pas du tout. Tu peux pas me tromper cette fois-ci. Je refuse de manger ça. Alors bonne chance. Bon, si t'insistes tant, je vais commencer. Oh, oh. C'est tellement bon. C'est du chocolat ça. J'ai de la chance. Je n'aurais pas dû essayer. Attends une seconde. Alors, j'ai le vrai piment? Non, pas ça.
Dommage que je ne puisse pas partager avec toi une trop petite portion. Il reste une dernière bouchée. Oh oui, c'était génial. Maintenant, c'est ton tour. Mais j'ai peur. Je déteste les épices. Hé, pourquoi t'as jeté le piment sur moi? Je voulais juste te faire un peu peur. J'ai assez peur comme ça. Ne me fais pas manger ça. Arrête de poser la pitié. Allez, allez, ne perds pas de temps. T'as raison, elle vaut mieux en finir rapidement. Souhaite-moi bonne chance. Oh, wow, c'est pas épicé du tout. J'aime bien. C'est fait? Attention, tu m'as eu plein dans le front. Oh non, c'est très épicé. Je pense que quelqu'un tire des conclusions à tir. Je pense qu'il ne deviendra en jeter un peu plus de feu. Tiens, non. Mieux si je peux réutiliser de l'eau en ce moment. C'est du tabasco. Tu m'as encore trompé. Aidez-moi. Je vais dans l'espace. Wow, c'est magnifique. Mais c'est un peu effrayant. Refais un bon voile, Suzy. Pas encore. Je vais tomber. Aidez-moi. Oh non, mais t'as fait n'importe quoi. Désolée, c'est sorti par accident.